Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie du cours sur l'électronique en régime alternatif. Nous avons vu dans la première partie comment représenter les signaux sinusoïdaux à l'aide de nombres complexes. Nous avons aussi vu comment effectuer des calculs avec ces nombres complexes. Nous allons maintenant voir l'impact de cette représentation complexe sur les caractéristiques courant tension des composants. D'abord, j'ai une bonne nouvelle. Une résistance en régime alternatif fonctionne exactement comme une résistance en régime continu. On retrouve toujours les deux symboles européens et américains. On a toujours un composant qui consomme de la puissance et qui dégage de la chaleur par effet Joule. Et on a toujours la loi d'Ohm pour relier le courant et la tension. Avec les notations choisies ici et en respectant la convention récepteur, on a U égale RI. La seule différence avec le régime continu, finalement, c'est qu'on a utilisé ici des lettres minuscules pour U et I, car elles varient. On a gardé en revanche un R majuscule, car R ne varie pas, c'est la caractéristique du composant. Si on trace l'évolution de U et I en fonction du temps, avec ici une résistance de 100 ohms, une tension d'amplitude 1 volt et de fréquence 50 Hz, on obtient deux signaux qui évoluent de la même manière. On dit qu'ils sont en phase. Le maximum de la tension et le maximum du courant arrivent en même temps. La résistance est donc assez simple à utiliser en régime alternatif. Je vais maintenant introduire deux nouveaux composants qu'on n'a pas pu utiliser en régime continu. Vous allez voir pourquoi. Le premier de ces composants est le condensateur. Le condensateur est un composant qui peut se présenter sous la forme d'un pavé plat ou d'un cylindre. Il est constitué en interne de deux armatures métalliques, ici en bleu, séparées par un isolant, ici en gris. Cette structure se retrouve dans son symbole de ce côté-là, qui présente deux traits séparés par un espace. Cette structure a quelque chose de surprenant. Puisqu'il y a une couche d'isolant, le courant ne peut pas traverser le composant. Comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser alors en électronique ? Pour comprendre le condensateur, il faut se rappeler que le métal est un très bon conducteur parce qu'il contient des charges électriques. Ici, on va l'utiliser comme réservoir de charge. Imaginez son analogue, un réservoir flexible qui gonfle quand on augmente la pression. Ici, quand on augmente la pression, le réservoir se gonfle et de l'eau entre à l'intérieur. Il y a donc une circulation d'eau dans le circuit hydraulique, bien que l'eau ne circule pas à travers le réservoir. De la même manière, quand on diminue la pression, le réservoir se dégonfle et l'eau circule dans l'autre sens. Eh bien, un condensateur, c'est exactement ça. Vous avez un réservoir de charge électrique qui se remplit et qui se vide. Cela fait circuler le courant, même si rien ne traverse le composant. Plus exactement, les charges sont stockées sur une des deux armatures et chassent les charges de l'autre côté, par effet électrostatique. Vous aurez donc un courant qui arrive d'un côté pour remplir l'une de ces armatures réservoirs et un courant qui part de l'autre pour vider l'autre armature réservoir. On va maintenant formuler cela mathématiquement. Vous avez vu que c'est le fait de remplir et de vider le réservoir en augmentant ou en diminuant la pression qui fait circuler le liquide. C'est donc la variation de pression qui provoque l'apparition d'un débit. Donc, dans le condensateur, le courant est proportionnel à la variation de tension. La variation de tension est exprimée mathématiquement par sa dérivée dU sur dt. Le coefficient de proportionnalité est la capacité du condensateur qui est analogue à la taille du réservoir. Elle s'exprime en farad. On peut voir avec cette formule la raison pour laquelle on n'a pas utilisé le condensateur en régime continu. Quand la variation de tension est nulle, le courant est nul. Le condensateur est donc dans ce cas-là un circuit ouvert. Ça se comprend bien aussi avec l'analogie hydraulique. Si le réservoir ne se remplit pas et ne se vide pas, rien ne circule dans le circuit hydraulique. Voilà à quoi ressemble la variation de courant et de tension. Quand on dérive une fonction cosinus, elle devient un sinus. C'est-à-dire, si vous vous rappelez votre trigonométrie, une courbe sinusoïdale décalée d'un quart de période. C'est-à-dire, quand le cosinus est maximal, le sinus est nul. Les deux courbes sont donc déphasées d'un quart de période.
On voit même que le maximum du courant est atteint avant le maximum de la tension. Le courant est en avance sur la tension. Parlons maintenant du second nouveau composant, la bobine. La bobine est un long fil enroulé autour d'un matériau magnétique, du fer par exemple. Le symbole de la bobine représente cet enroulement. Lorsqu'un courant circule dans le fil, il génère un champ magnétique dans le noyau. Ce champ produit une force qui influence la répartition des charges électriques dans le fil. Pour que ce soit plus clair, reprenons notre analogie hydraulique. La bobine se comporte comme une turbine. L'eau arrive par un tuyau et le passage fait tourner la turbine dans un sens ou dans l'autre. La turbine, cependant, est assez lourde. Son poids fait que la pression augmente au niveau des pales. Plus la turbine est lourde, plus la pression est élevée. Une fois que la turbine est lancée, la pression revient à son niveau initial. Mais pour lancer la turbine, il faut augmenter le débit d'eau. On a donc une pression qui est liée à la variation du débit. D'où, par analogie, la caractéristique courant-tension de la bobine, U égale L dI sur dT. Le coefficient de proportionnalité L est l'inductance de la bobine, exprimée en Henry. Elle est l'analogue de la masse de la turbine. Ici encore, on a un fonctionnement qui n'est pas adéquat à une analyse en régime continu. Si la variation du courant est nulle, la tension est aussi nulle. La bobine est donc, en régime continu, un court-circuit. Voyons maintenant les courbes d'évolution. Si le courant est une fonction sinus, la tension est un cosinus. On a à nouveau un déphasage d'un quart de période qui apparaît entre la tension et le courant. Le maximum de la tension apparaît avant le maximum du courant. C'est cette fois la tension qui est en avance sur le courant. Nous avons donc deux nouveaux composants qui nous permettent non seulement de lier le courant et la tension, mais aussi de les décaler dans le temps. Mais comment peut-on étudier des circuits avec de tels composants? Traitons un exemple, celui d'un circuit simple composant une résistance et une bobine en série. On alimente l'ensemble avec un générateur de tension sinusoïdale. Voyez que le symbole a changé, on voit apparaître une petite sinusoïde dans le cercle. La tension est exprimée avec sa notation complexe. On cherche ici le courant qui circule dans le circuit. Ce courant sera sinusoïdal de même fréquence, donc de même pulsation, et on va chercher son amplitude I et sa phase à l'origine phi. On commence par appliquer la loi des mailles qui dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la bobine. La tension aux bornes de la résistance est donnée par la loi d'Ohm, ici. Celle aux bornes de la bobine, par la loi de la bobine que nous venons de voir, là. On remplace maintenant la tension aux bornes du générateur et le courant par leurs expressions complexes. L'étape suivante consiste à dériver l'expression du courant par rapport au temps. C'est une fonction exponentielle et la variable est le temps. Il suffit donc de multiplier l'exponentielle par le coefficient qui est devant le temps, c'est-à-dire j oméga. Dans cette expression, on voit apparaître un facteur exponentiel de j oméga, ici, là et là. On peut donc le simplifier. On obtient quelque chose de beaucoup plus simple que l'on peut manipuler pour écrire que le nombre complexe I exponentiel j phi est égal à l'amplitude de la tension, VE, divisé par R plus JL oméga. Il suffit de calculer le module et l'argument de ce nombre complexe pour les trouver. Le résultat est ceci, VE sur racine de R2 plus L oméga 2 pour l'amplitude du courant et arctangente de L oméga sur R pour la phase à l'origine. Ceci peut se tracer ou se calculer avec un tableur classique par exemple. Maintenant, reprenez votre souffle. On a fait pas mal de manipulations pour arriver là. Je vous avais promis dans la vidéo précédente que l'utilisation de la notation complexe nous permettait de simplifier les choses, mais ce n'est pas tellement évident ici. Chaque ligne est relativement simple à traiter, mais il y a quand même beaucoup d'étapes
alors qu'on étudie un circuit avec seulement deux composants en série. Peut-être qu'on pourrait simplifier un peu les choses. Je vous propose une idée qui a l'air un peu folle comme ça, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et si on traitait les condensateurs et les bobines comme des résistances? Cela nous permettrait de généraliser la loi d'Ohm pour ne manipuler que des lois de composants sous la forme U égale ZI, avec Z qui serait une généralisation de la résistance. Or, pour le condensateur et la bobine, cette loi contient une dérivée. C'est cette dérivée qui nous embête. Quoique, dans la démonstration qu'on vient de faire, la dérivée a été très vite traitée. Il nous a juste suffi de multiplier l'exponentielle par j oméga. Alors, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Commençons par écrire les notations complexes pour la tension et pour le courant. On fixe l'origine des temps de manière à annuler la phase à l'origine de la tension. Intéressons-nous d'abord au condensateur. Je vous rappelle sa loi. Il va falloir dériver la tension. Or, si vous dérivez cette expression, vous avez simplement à la multiplier par j oméga. Voilà ce que ça donne. Cherchons maintenant l'expression de la tension en fonction du courant pour obtenir quelque chose sous la forme U égale quelque chose fois I. On obtient ceci après un tout petit peu de manipulation et on trouve que la tension est égale au courant divisé par JC oméga. Or, je vous rappelle qu'on cherche une tension sous la forme Z fois I. Il suffit pour avoir ça d'introduire la variable ZC égale 1 sur JC oméga. Avec cette variable, on a bien une loi qui ressemble à la loi d'Ohm. Passons maintenant à la bobine. C'est le courant que nous devons dériver. Or, ici aussi, puisque la variable est le temps, on va dériver en multipliant cela par j oméga. Voilà ce qu'on obtient avec la dérivée calculée. On manipule cela pour trouver U égale JL oméga fois I. On a bien un coefficient de proportionnalité entre U et I, ce qui nous donne très facilement la variable ZL à introduire pour la bobine ZL égale JL oméga. Avec ça, on va aussi pouvoir traiter la bobine comme une résistance. Ces deux variables que nous avons introduites s'appellent les impédances. Chaque composant, récepteur d'énergie, résistance, condensateur ou bobine, a une impédance qui permet d'écrire sa loi courant-tension de la même manière qu'une loi d'Ohm, donc comme une loi d'Ohm généralisée. Pour la résistance, c'est évident, l'impédance vaut R. Pour la bobine et le condensateur, l'impédance a la valeur que nous venons de trouver. Ça peut paraître étrange vu qu'on n'a pas une vraie proportionnalité. On a vu sur les tracés que le courant et la tension étaient décalés dans le temps l'un par rapport à l'autre. Mais il faut bien voir que l'impédance est complexe. On a un J qui apparaît dans l'expression. Le module de l'impédance donnera le lien entre les amplitudes des courants et des tensions, tandis que le module va donner le décalage dans le temps. Nous reviendrons sur cet aspect dans une prochaine vidéo. Un autre point important est que ces impédances permettent de retrouver le comportement de la bobine et du condensateur en régime continu. En continu, la fréquence tend vers zéro, donc la pulsation aussi. Quand la pulsation tend vers zéro, l'impédance du condensateur tend vers l'infini, le courant tend donc vers zéro, c'est un circuit ouvert. L'impédance de la bobine, elle, va tendre vers zéro, c'est donc la tension qui s'annule, on a un court-circuit. L'utilisation de l'impédance permet donc de bien garder en tête l'effet du composant, mais surtout, il permet de traiter tous ces composants comme on l'a fait avec les résistances en régime continu. On peut associer des impédances quand elles sont montées en série ou en parallèle, on peut utiliser des diviseurs, on peut appliquer des théorèmes généraux. Reprenons notre exemple pour voir concrètement comment on peut utiliser les impédances. On a deux composants en série, donc on peut calculer l'impédance équivalente. C'est bien la somme des impédances. Je calcule donc d'abord la somme, puis je remplace par les valeurs des impédances. On utilise ensuite la loi d'Ohm généralisée pour obtenir le courant. On remplace les courants et les tensions par leurs expressions complexes. Dans cette expression, on simplifie, comme d'habitude, le terme en exponentielle j oméga t. On obtient un nombre complexe dont on cherche le module et l'argument. On trouve le module
l'argument, on effectue les calculs et on retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure, mais on l'a obtenu beaucoup plus rapidement. On a simplement évité de dériver l'exponentielle puisque c'est un calcul qui a déjà été traité dans l'établissement de l'impédance. En utilisant directement l'impédance, on économise du temps et de l'énergie de calcul. La conclusion est donc, travaillons avec les impédances, dont je vous rappelle ici les expressions. C'est elles qu'il faut connaître pour bien maîtriser la suite de ce cours. C'est tout pour cette vidéo. Nous allons voir dans la prochaine une autre application de ces impédances dans le domaine de l'électronique de signal. Nous parlerons de filtrage. À bientôt !